Bonsoir. Je fais suite à la vidéo de 2014 qui était publiée sur Dailymotion, présentant l'amour inconditionnel et la 4D et la confiance. Aujourd'hui, le 15-6-2024, je présente la conscience en 6D de l'amour inconditionnel, un niveau très proche de la réalisation de mes rêves. J'avais comme rêve à un moment devenir une Sylvie Drumen d'un âge de 15 ans et immortelle. Je me rapproche de plus en plus de cela. C'est un long travail de libération émotionnelle et de libération du caractère féminin en l'homme. Je suis une femme. Ça a commencé il y a déjà 14 années comme idée, mais il n'y avait absolument aucune réalisation. Et ce projet me revient maintenant en 2024 pour une réalisation de plus en plus approchée, où plus rien ne l'empêche réellement. Je dirais, j'hésite encore à prendre des hormones ou à essayer de me libérer par le caractère féminin totalement des poils. Je ne sais pas encore comment y arriver. Je vais continuer énormément. Peut-être une centaine, 200 ou 300 fois encore répéter des instants où j'essaye de me connecter à la voix de la femme, comme cela. C'est non seulement une approche où on se rapproche plus du féminin d'un point de vue de la peau et génétique et de la forme, mais c'est en plus une guérison émotionnelle où notre émotion n'est plus lourde, elle est calme, elle se rapproche de la paix. Je le fais en ce jour pour ce partage de ce moment que j'attends et que je chéris. J'ai vécu en 2019 un moment très difficile suite à une agression d'un psychiatre. J'ai eu un traitement forcé de 2 fois 6 ampoules d'Aldol par 2 semaines, multiplié par 2. J'ai souffert énormément avec cela. J'ai vieilli beaucoup, beaucoup, je pense, à cause de ce traitement pendant 3 mois. Cependant, ça m'a forcé à devoir me responsabiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et depuis maintenant 2019, 6, je n'ai pas été hospitalisé. Et ça fait maintenant déjà presque 7 ans que je n'ai pas vu de généraliste normal. J'ai juste vu un électrocardiogramme commandité par ma psychiatre, le docteur Poulnay. Je pense que j'arrive au bout de ce chemin, de cette quête qui était vraiment magnifique. Je me dis que j'y arrive, que j'y arrive pas, j'ai déjà gagné, j'y suis déjà.
Là, je ne me rase pas, mais si j'étais rasé ou entièrement au niveau des poils, ça changerait, ce serait déjà très positif. J'ai un trait féminin qui se développe énormément. Je vais continuer encore quelques minutes à partager avec vous quelques éclats de voix pour vous transformer un petit peu vers un féminin plus présent, vers un féminin plus pacifique, vers un silence, une non-action. J'étais déjà, je trouve, en 2014, un maître jeune. Là, je pense être une maître jeune, presque totalement réalisée à quelques petits détails. Je vais continuer encore, je dirais, 2 mois en entier cette transformation. Ensuite, on verra. Et je compte me présenter à un certain type de concours pour essayer de valoriser les femmes. On verra ensuite. Je vais vous laisser là et je vous souhaite une bonne continuation. On va partager encore 3 minutes d'ouverture et d'affirmation en tant que femme. Maintenant, tout dépend de votre persistance. Si vous voulez devenir vous-même une femme, même si vous êtes un homme, essayez de faire naître la femme en vous par votre voix propre, la voix de la femme. C'était mes 10 minutes de présentation de cette année. Pour une réussite, je pense très 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 proche. Je vous recontacterai et vous referai une vidéo suite à l'évolution de cette pratique. À très bientôt, Aline.